on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo de Krollus 37. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer la campagne entière de Titanfall 2. Mais bon, comme la campagne est assez grande, je vais vous le faire sur 2 ou 3 ou plus de vidéos. Je vais voir. Donc là je vais commencer une partie pour vraiment tout vous montrer. Donc là on va regarder la petite intro. Sur les champs de bataille de la frontière. Le pilote est la quintessence du combattant. Il est rapide et habile. Gracieux, mais dévastateur. Il est perspicace, ingénieux et impitoyable. Un pilote voit le monde différemment. Un mur abrupt devient un sentier à emprunter. Un pilote combat différemment. Il sait duper l'ennemi comme personne, même lorsque tout joue en sa défaveur. Mais ce qui différencie réellement le pilote des soldats et machines sur le champ de bataille est le lien qui unit un pilote et son titan. Lorsqu'il est lié à un titan, seule une force démesurée peut l'arrêter. La frontière est la seule maison qu'il ait jamais connue. L'IMCI détruit des terres depuis des années, s'appropriant les ressources, polluant et détruisant les planètes, tuant ceux qui osent résister. Malgré les récentes victoires sur Déméter et au-delà, il reste encore du chemin à parcourir avant de vaincre l'IMC. Il est aujourd'hui fusilier pour la milice. Il se bat pour libérer la frontière. Il est loin de devenir pilote. Mais quand ce jour viendra, il espère en être digne. Donc, petite intro très très sympa. Donc là, l'histoire va commencer. Et c'est parti. Ah merde! Le vaisseau a dû redémarrer le module de simulation. On va devoir le recalibrer. Navette de sauvetage, diagnostic de contenu. Navette Mark 8 opérationnelle. Ça te paraît bon, Cooper? Ouais, c'est bon. Ok, on peut commencer. On va voir ce que tu te rappelles de la dernière fois. Activation lien neuronal. Ça vaut pas un vrai lien avec un titan, mais on s'en approche. Pour s'améliorer, il faut se mettre en condition. Ah, c'est bien mieux. En théorie, je devrais pas te former. Mais je sens que t'as du potentiel. On va accélérer un peu. J'active l'aérokit. Les aérokits opèrent selon le principe de stabilité détendue. Quand ton aérokit se sera fait à tes mouvements, ça deviendra très vite une seconde nature. C'est beau, hein? C'est inspiré de ma planète natale, Harmonie. C'est là que j'ai grandi. Bien, belle mobilité. Passe par-dessous. Un simple double saut. Suis le fantôme. Le
Nous avons repris plus de 25% de l'espace frontalier depuis la bataille de Demeter. La milice est mieux organisée. Chaque jour, vous êtes plus nombreux à vous. Au combat, ça se passe jamais comme on veut. Pour gagner en précision, utilise le tir de ton arme. Bien, continue si tu veux, puis rends-toi au parcours. Ok, aujourd'hui je te propose un nouveau parcours. Objectif, 2 minutes. Va falloir faire mieux pour continuer. Tuer le fantôme, ou trace ton choix. Un pilote doit trouver le juste équilibre au combat. La vitesse n'est rien si tu touches pas tes cibles. Dans ce parcours, on va t'entraîner jusqu'à trouver cet équilibre. Normalement il y avait un petit peu de temps à lui sortir, mais il a été arrêté par Apex Legends. Pour ceux qui disent vraiment le tout le monde a été un peu dégoûté. Joli, tu vois les résultats sur le mur? T'as fait un chrono record. On a tous nos forces et nos faiblesses. Alors n'hésite pas à tenter le parcours plusieurs fois en changeant d'arme. Regarde les résultats pour voir comment t'améliorer. Là, je te sens bien chaud. Si tu veux un vrai défi, j'ai des fantômes d'autres pilotes. Attention quand même, ceux qui ont enregistré ces fantômes sont les meilleurs de l'ERS. Si t'arrives à les battre, tu seras déjà devenu un pilote. Tu peux faire le parcours autant que tu veux. Quand t'auras fini, j'ai un truc spécial à te montrer. C'est bon, tu t'arrêtes là ? J'ai envie de voir la suite. Tant mieux, ça va te plaire. On peut passer à l'autre moitié du métier de pilote. Le Titan. Appelle-en un. Je croyais que c'était réservé aux pilotes. C'est qu'une simulation, Cooper. Pas la réalité. Mais d'abord, il va nous falloir plus d'espace. Voici mon associé BT, un classe Vanguard. De la technologie milicienne pure souche. Le premier châssis de Titan conçu par nos soins. Celui-là, on l'a même pas volé à l'IMC. Vas-y, Cooper. Appelle ton premier Titan. Regarde, là-haut. Le voilà. Le devoir nous appelle, mais je crois que ça va chauffer. Je te fais sortir. Désactivation des systèmes non essentiels. Cooper, prépare-toi. Il sort du virtuel, Cole. Laisse-lui une minute pour décompresser. Il sera prêt à temps, crois-moi. Oui, chef. Tout le personnel au poste de combat. Ce n'est pas un exercice. Pour info, ils nous font la peau. Enfin, ils essaient. Bonne cette session. Tu finiras par choper le coup. On finira par faire de toi un vrai pilote, Fusilier. Mais pas aujourd'hui. On n'a pas le temps. La Stimosa. Anderson. Oh, putain, on se voit en bas. On va voir une nouvelle planète aujourd'hui. Peut-être même qu'on va crever dessus. On se voit en bas, fusilier. Bonne chance. Tirez votre cul de ce module, Cooper. On se retrouve au vaisseau de largage. Donc là, honnêtement, commencez, comme en fait, essayez de faire toutes les difficultés. Commencez comme vous voulez, soit en facile, soit en standard. Après, essayez en difficile, puis élite, franchement, c'est super balèze. Vous prenez 3 balles, tout votre titan est complètement HS. C'est un bazar monstre, mais une fois qu'on a le coup de main, ça peut aller. C'est surtout pour les boss que vous verrez plus tard, c'est surtout pour eux que c'est galère. Sinon, les ennemis normaux, ça va. Thank you.
l'action. On va s'éclater. On va s'éclater. Ici le FTF de Macalan. On va s'éclater. Je répète, on va s'éclater. Ils brûlent nos instruments. On n'arrivera jamais à passer. Navette Mark. Unité médicale activée. Occupant, fusilier milicien Jack Cooper. Immatriculation 2031. Stabilisation. 250 mg de sang sulfentanyl administré. Attention, effet secondaire provisoire. Nausée, vertige, coordination motrice altérée. En position de tir. Spectre de l'IFC en approche. Elle est encore loin, la zone de largage. On a défié de la cible. Faire écraser par une navette. Sans commentaire. Le problème c'est que tout le monde. Bien morflé, Cooper. Accroche-toi. Ça va t'assommer, mais ça ira mieux à ton réveil. Lastimosa, titan ennemi en approche. Les prédateurs. Bien reçu, BT. Merci. Bouge pas, Cooper. BT, on y va. On a 18h! 18h jusqu'à ce que l'arche soit scellée et prête à la livraison! On se bouge! Hé, Richter! Laisse les cadavres tranquilles, pauvre naze! On a du pain sur la planche! On n'est pas payé pour soulager les Maccabées! Au boulot! Autorisation au nouveau pilote. Lien. Bravo, Tango 7274. Cooper, prends mon titan.
prends mon casque et mon aérokit. Finis la simulation. Prends soin de lui. Troisième bataillon de grenadiers, assez rare, donc au début ils sont pas très durs à trouver, mais plus vous avancez dedans, plus... Nous les soldats, on est payés mais pareil. Si ce que je veux, c'est que ce truc dans les montagnes, ça coûte. Tu crois que c'est vrai? Est-ce que les mecs sont là-dessus? Les forces miliciennes du secteur, nous allons vous trouver. Jetez vos armes et roulez-vous. Ne cherchez pas un ici. Nous sommes autorisés à abattre tout pilote en possession d'une arme. Thank you.
ces drones sont super rapides. Mais bon, là, il y en a un peu trop. De classe Vanguard. Les feux sont rares. On devrait le vendre. Pas moyen. C'est pas les ordres de Blisk. Il fait pas peur, ce type. Les autres mercenaires l'ont... Grenade ! Énergie faible. Puissance insuffisante. Puissance aux deux tiers. Mémoire réinitialisée. Système oculaire actif. Mise au point. Vous allez bien, pilote ? Je crois bien. Attends, tu m'as appelé pilote ? Oui. Feu le capitaine Lastimosa vous a donné le rôle de pilote suppléant. Félicitations pour votre promotion. Vous pouvez m'appeler BT. BT ? Ok. Les systèmes redémarrent, mais une troisième batterie accélérera le processus. Je reste ici. En attendant d'être mobile, je vous aiderai autant que possible par radio. À tout le personnel de la milice, rendez-vous et l'IMC vous êtes en 25 pour les autres dans Chuck City. Jetez vos armes et présentez-vous immédiatement à une équipe de recherche de l'IMC. Pilote, je vous déconseille de vous rendre à l'IMC. L'analyse vocale indique clairement qu'il mente. T'inquiète pas, BT, je vais nulle part. Compris, mais je vous suggère de changer de lieu. Les équipes corporatistes approchent. Non, je veux pas te laisser. Il est courant qu'un pilote doive manœuvrer sans le titan qui lui est lié. Lieutenant, vous savez quoi sur ce poubelle aussi ? Il y a un ex IMC. On a un avatar ! Mes systèmes de navigation ont été réinitialisés. L'embuscade de la 9e flotte milicienne nous a fait dévier de notre destination initiale. Nous sommes en territoire ennemi. Soyez prudents. Nous ne pouvons pas rester ici. On croit toujours qu'on va s'en sortir, BT. On n'a plus le choix. Pour survivre, nous allons devoir improviser et nous adapter. Ça a servi combien de temps avec Lastimosa ? Le capitaine Lastimosa s'est lié à moi il y a 973 jours. Nous allons vous traquer. Je suis jamais resté en couple aussi longtemps. Entendu. De sortir de votre cachette, c'est encore possible. Le
secteur est quadrillé par les ennemis. Toute résistance passera par notre mission et nous forcera à approcher. Tu vas au pire. Dans le 4, on a besoin de renfort. La maison dispose d'un camouflage d'urgence pour parer aux situations dangereuses. Commandant du détachement des maraudeurs, division de l'escouade de reconnaissance spéciale, ou ERS. Elle s'appelle Sarah Briggs. Écoutez, il reste des survivants sur ce vaisseau? Non, les scans ne détectent aucun signe de vie à bord du MCS James McAllan. Mais 90% des navettes ont été éjectées. L'espoir est permis. À tous les survivants de la milice, il est dans votre intérêt de vous rendre. Vous préférez sans doute être repéré. Pilote, notre position a été compromise. Les drones sont des éclaireurs. Des renforts ennemis ne vont pas tarder. Nous devons terminer immédiatement le lien neuronal. Installer la dernière batterie. Puissance optimale. Pilote, nous devons d'abord établir un lien neuronal pour continuer. Embarquez quand vous serez prêt. Protocole 1. Lien au pilote. Établissement du lien neuronal.
Lien neuronal établi. Fusilier Jack Cooper, vous êtes désormais le pilote suppléant du BT-7274. Protocole 2. Poursuite de la mission. Conformément à l'opération spéciale 217, mes ordres sont de rejoindre le Major Anderson de l'URS. Je détecte des forces ennemies en approche. Protocole 3. Protection du pilote. Réinitialisation système critique. Bouclier Vortex en ligne. Le bouclier Vortex intercepte les tirs et missiles ennemis. Relâchez la touche pour renvoyer à l'ennemi les objets capturés. Pilote, le module acolyte est opérationnel. Ce lance-roquette d'épaule peut verrouiller plusieurs cibles ennemies. Plus vous maintenez la touche, plus les verrouillages sont nombreux. Lien neuronal actif. Contrôle des armes et synchronisation des mouvements rétablis. Largage de titans ennemis. Préparez-vous. Nous allons devoir nous battre. Super, on n'a plus qu'à se fumer quelques ennemis. Un peu de positivisme ne peut pas faire de mal. Titan milicien repéré, numéro châssis BT-7274. Notre taux d'efficacité au combat a augmenté. Pilote, d'autres équipes de récupération de l'IMC arrivent. Notre seule chance est de respecter la mission, à savoir rejoindre le Major Anderson. D'ici là, nous sommes seuls, vous et moi. Vérifiez votre ATH. Il ne faut pas traîner. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Donc là c'est la fin du tout premier chapitre. Donc les retrouvailles avec BT-7274, donc le titan de notre commandant, plutôt capitaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Si vous voulez savoir la suite de l'histoire et donc peut-être avoir une chance d'acheter le jeu, non, n'hésitez pas à regarder les vidéos suivantes. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire ou juste à vous abonner si vous aimez vraiment bien. A plus tard. Thank you.